Elle descend sur Niolomb. On pourrait être bien. Alors, si je suis encore venu ici, parce que cette fois je vais descendre jusqu'au fond, jusqu'au pont SNCF. D'ailleurs, je passe par la gare pour la gare de Niolomb pour venir ma balade en face. J'ai jamais descendu sur moi. Ça trompe les pourris, j'en sais rien. Déjà ici, c'est comme d'hab. Toujours pas ici, hein, décidément. Rien qu'à l'arrivée, je sais que j'irai pas. Oh, c'est bien moins beau qu'avant. On va faire toi le pont SNCF en bas. Voilà, là on le voit bien. Et moi je vais passer à gauche du pont. Normalement, le sentier ne traverse pas la voie, il reste sur le versant. Voilà, on va choisir en haut. Sérieux, putain. Alors le sentier d'habitude il est là à gauche, et là je vais en face. J'ai trop peur de me bloquer et de tomber en bas là. Sacrément coupant, c'est arrivé. Virage à la con. Beau celui-là, non? Waouh, waouh, waouh! Eh ben, vous savez quoi? Les 20 mètres qu'il y a là, ça à pied. Parce qu'en plus, là, à droite, bonjour. Hein. Je pensais qu'il était meilleur que ça, ce chemin. Je l'ai pris il y a quelques années, c'était bien. On dirait que toute la terre qui recouvre les cailloux s'est barrée. Ouais, puis j'avais dit sans commentaire. Donc,
Il n'est pas beaucoup mieux, mais il y a moins de danger à droite. Tada, tada, tada. Idéal, ça aurait été là. Ouais, sans moi non plus. Poser le vélo pour m'appuyer. Eh, on voit d'où je viens. Et là, je vais aller à gauche. Peut-être d'ailleurs, c'est marqué là. Le principal va à gauche, la droite ça doit aller sous le pont, en calant. Bon, 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 bon. Je découvre, hein. Elle sera un peu longue, là, cette vidéo. Et là, c'est à gauche.